la nostalgie. Tout le monde m'appelle simplement le professeur Moustache. Oh, c'est le retour de Fifou. Oh, tu nous as tellement manqué, Fifou. Ah, mon rival René Yann Nils. Il peut s'appeler Nils. Ah bah c'est bien Nils, super. Comme j'expliquais, j'ai changé. Avant, je donnais des noms vous savez, c'était très enfantin. Ça montre vraiment que voilà, je suis quelqu'un de mature. Descendre au rez-de-chaussée. Oh, ils te disent quoi faire. Très bien, very good. Méga prout te chercher. Je sais pas ce qu'il voulait. Bonjour madame. Maman de Méga. Elle s'appelle maman de Méga Prout. Bonjour maman de Méga Prout. Pourquoi avez-vous appelé votre enfant Méga Prout, s'il vous plaît? Oh ta gueule. Oh. Ah. Oh. Oh. Ah oui d'accord. Oh, il y a même pas d'animation. Il se téléporte. Non mais en 2021. Pas grave, c'est pas grave. On est positif. On avait dit qu'on était positif. Oh oui, c'est la capote sur la tête. Aurore, capote sur la tête. Non, attention. Non mais ils ont oublié leur mallette. Ce colis abandonné dans le train, hein. Ça c'est terrible, hein. Vous savez, hein, c'est des heures de retard. Il y a des Pokémon, des Pokémon. Oh là là, le vol, j'avais oublié qu'on volait. C'est officiel. Le starter est Tiplouf. Et ça, les mecs, bah je vous remercie. Et là, je perds le Nuzlocke. Oh, j'ai écrase face, let's go. Les problèmes arrivent. La capote sur la tête. Mais vous avez volé les Pokémon. Oh, yeah. Oh, les vénères. Aurore m'a dit que vous aviez utilisé vos Pokémon. Je vois, très bien. Je retourne au labo. Imagine, là, il te reprend les Pokémon et l'aventure s'arrête là, tu sais. Voilà, ça y est. Le Sprite. Fidron, il n'a qu'une parole. Attendez, parce que là, je me dis que vous voyez pas très très bien, là. C'est mieux là ou pas? Oui. Tu regardes même pas ton chat. Non mais c'est parce que je l'ai et je peux pas regarder mon chat. Vous imaginez, je perds le Nuzlocke là. Putain. Oh, c'est stabé. Mais attends, mais il fait trop mal. Je dois aller me reposer. Non mais là, je suis déjà presque mort. J'ai trop peur là. Maman, s'il te plaît, j'ai mal. Je m'appelle Albert François. J'aime manger du bois. J'aime bien manger, oui, avec des raviolis. Et d'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. C'est bien parce que ça va être un nom qui sentira bon la Méditerranée. Rosé Mouloud, quoi. C'est parfait. Oh non. Non. Je voulais me battre contre Aurore. Je m'en fous du J'ai joué environ 3000 fois à Pokémon. Et à chaque fois, ils me remettent le même tuto de merde. J'en ai vraiment marre. Oh là, je vais voir la mère d'Aurore. Oh, sa mère. Coucou. Attends, mais non, c'est pas ça. C'est sa sœur. Elle a 8 ans. C'est bon les mecs, c'est bon. Et il s'est rien passé techniquement. Je veux pas que tu m'apprennes à capturer un Pokémon. Ah non, je dois aller voir ma mère. Mais elle casse tellement les couilles ma mère, je m'en fous. Oh là là. Et je pense que vous pourriez avoir un peu plus de respect pour votre mère. Le professeur Sorbier t'a confié une tâche. Il n'y a pas hésité, fonce. Tu as 11 ans mais fonce. Oh non, pas ma casquette moche. Quelle horreur. Le jeu est horriblement moche. En vrai, disons que c'est un parti pris, mais je le trouve pas si moche pour l'instant. Oh non, pas lui. Est-ce que Napoléon, pour la première fois de sa vie, va pouvoir faire quelque chose? Il vomit ton Évoli? J'ai un Évoli qui vomit. C'est parfait, c'est parfait pour mon style. Napoléon, tu peux le faire. Je vais te briser tes os. Oh, le coup critique. Ok, regardez, sa coiffure horrible glitch dans le tableau. Je veux dire, merde, quoi. Et là, imaginez mon premier Pokémon, est-ce que j'avais perdu le Nuzlocke? Je vais avoir la Pokémon... Oh, j'ai trois... Est-ce que je peux redessiner une bite? Ah non, ça va pas être possible. Non, je peux pas dessiner. Et voilà, le plume dans le cul qui arrive. Oh, notre équipe est tellement bien. Elle est déjà super bien, en vrai. L'équipe de tout bon débutant. Bah, en même temps, c'est un Nuzlocke, donc j'ai pas trop le choix. Oh, les animations sont incroyables. Je rêve d'un jeu où on verra les Pokémon faire leurs attaques. Alors lui, il est directement dans l'équipe. C'est Ernestine 30 000. En vrai, l'interface de combat, je la trouve très propre. Plus propre que la UG. Oh, ça a l'air très chiant de pêcher dans le jeu. On reste calme. Non mais ça suffit. C'est pour pêcher un Magikarp. Flash, me voilà. Oh là là, il flotte au-dessus de l'eau. Méga Prout, le dresseur. Oh, c'est Méga Prout, je le reconnais, let's go. Je vais faire gros yeux. Oh, voilà, au revoir. Oh là là, il a perdu. Oh, il a l'air tellement frustré. Allez, au revoir. Je trouve que les animations de début de combat sont pas belles, en vrai. Oui, c'est ça, les mecs bougent pas en début de combat, c'est bizarre un peu. Je crois que c'est... Bonjour.
Oh, les zooms sont tellement bizarres. Aga ! En vrai, il me flinche ou il me crit là ? Le axe n'a pas joué ! Hop là ! Je peux pas laver les badges ! Ça marche pas ! Les jeans, ça marche pas ! Je mens pas ! On peut pas laver les badges ! Oh la joie ! Je vous avais menti depuis le début ! Je suis tellement content de pas laver les badges ! Oh là là ! Méga chet ! Sauvez-moi, putain ! Ah, faut le tactile ! Tu passes ? Tu crois que je vais tactile ? Tu crois que je vais passer en mode tactile ? Non mais je vais pas faire ça à chaque fois. Vous avez rêvé si vous pensez que je vais faire ça à chaque fois. Jamais je fais ça de ma vie pour tous les badges. Qu'importe la défaite, ça sent si bon par ici. Ellie ! Attends, j'arrive ! Tu vois ce qu'il y a marqué là ? Tu sais combien c'est 3 kilos ? C'est 1 litre de lait plus 1 litre de lait plus 1 litre de lait à quelques grammes près. Bien le bonjour à toi, tu es également la tête de quelqu'un qui a vécu une expérience Let's Go à Kanto. Mais attends, mais... Ils m'ont donné un Pokémon légendaire. Mais pourquoi ils m'ont donné Jirachi ? Est-ce qu'on est d'accord que... C'est de la triche. Enfin, ça va juste être trop facile. Bon, alors par contre, on a dit que le Pokémon de zone, c'était Celebi. Donc du coup, en gros, si je fais 3 pas dans le bleu, 3 pas dans le rouge, 2 pas dans le violet, qu'ensuite je sors comme ça, sans toucher les autres zones, que je vais dans le jaune en faisant une trajectoire comme ça... Là. Merde, attends, j'ai raté, mais là, on... ok. Voilà, que je fais 67 pas dans le jaune. Ensuite, je ressors. Je vais dans ce bleu-là et je fais 3700 pas. Il paraît qu'il y a Celebi Shiny qui apparaît. Oui, mais c'est rare. Oui, c'est ça, c'est rare, on est d'accord. Regardez là. Non, tu vas pas bouffer ma pizza. Non, mais allez, ça suffit. Regardez la tronche de la meuf. Les mobiles, en avant les histoires. C'est dommage parce que en combat, c'est plutôt pas mal fait. Je t'attendrai au fond. Oh, mais on va te rouler dessus. Chou-chou, motherfucker. Je vous interview, vous êtes le pire starter de tous les temps. Avez-vous quelque chose à nous dire ? Eh bien oui, écoutez, j'aimerais bien qu'on reconnaisse un peu que quand même, je ne suis pas le pire starter. Merci beaucoup. Oh ! Non. Je préférais Cynthia avant, hein, j'avoue. Hein. Wow ! Oh, par contre, c'est stylé l'animation du vélo. On voit que je dandine à gauche et à droite. Pour ranger l'Explora Kit. Ah ! Oh, le bâtard ! Mais j'ai même pas le choix, j'ai pas demandé avec ta mère. Allez, viens, regarde tout ce qu'on peut faire. 1 hour later. Ma base secrète, attention, vous êtes prêts? Attention, regardez, j'ai trouvé plein de statues. En 1 heure, ça te saoule déjà. Alors, soyons honnêtes, oui. Les souterrains, ça m'a tout de suite saoulé, hein. Là, c'était vraiment assez impressionnant. Carl, le cycliste veut se battre. En vrai, j'adore comment ils descendent de leur vélo en mode instantané. Oh là 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 là, le one shot malgré la double intimidation. Tu mises tout sur la vitesse et sur la technique. Ah bah oui, bah j'ai Rakaillou, hein, il est rapide. Rapide comme l'éclair. Il a un 20 en vitesse hein, quand même. Hein. Oh non, 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 non. Je me rappelle maintenant. Oh, j'avais oublié. C'est le labyrinthe de l'enfer du cul. Il faut flash en plus. Oh, ça me saoule déjà la bite. Il n'y a pas Grignote, je ne possède pas force. Arrêtez de spammer Grignote, s'il vous plaît. Je vous en supplie, soyez gentil avec moi. Faut pas force, Fildrong. Fildrong, non mais moi je sais. Moi je sais, putain. Ah, vous savez rien. Alors, Pokémon de zone. Ah, de type acier. Il y a sûrement Grignote. Ah. Mais je m'en fous de Grignote en plus. Qu'est-ce que je voulais que j'aille face avec Grignote? Il met 2 heures à évoluer. Regardez. Oh, Grignote. Un Grignote apparaît. Ah oui, d'accord. Oh là là! Oh, il a tanké! Mais c'est quoi ce cadabra de compète? La drogue! Oh, télékinésie! Oh là là, j'avais dit que c'était la pire attaque signature du jeu! Et bah ben, la voilà! Allez! Mais attends, mais Squeezie PNL, mais en même temps, ça c'est le. Ça c'est ça que vous aimez, ça c'est les trucs de jeunes, ça! Papy Drong! Oh, tu m'as sauvé! Est-ce qu'elle me donne quelque chose? Elle me donne rien! Oh, capote! J'ai un truc pour toi, choisis une main! Tu as gagné un cherche-combat! On est d'accord qu'elle te le donne, que ce soit à droite ou à gauche, hein! Allez, chais. En vrai, Rakaillou, c'est une bonne addition à la team, hein, je pense. Hein. Faudrait peut-être qu'on le mette dans le... Une théorie voudrait que le Mont Couronné soit à l'origine de la région. Il a l'air très énervé, hein. Il a les sourcils très froncés. C'est le visage de la haine. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Ok, Sasuke, tu veux pas trouver ton frère par hasard? Je me suis fait battre par plus jeune que moi. Oh, ça, c'est ma vie. Hein. Vous savez, quand je me fais tabasser par des jeunes lycéens de mon quartier. Comme il est beau, regardez-le.
Il adore le sang des êtres humains et des Pokémon. C'est tellement romantique, tu vois. Personne ne m'aime, personne... Enfin, c'est horrible. Te battre ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Bah alors... Bon, je dis plus rien parce qu'après on dit que je suis un beauf. Tout le monde m'appelle le maître des baies. J'ai lu le maître des baises. Vous savez que c'est la première fois que je joue à diamant parce que moi j'ai joué que à platine. Super chaud, concours. On va faire le concours. C'est quoi cette gueule? Incroyable, let's go. Concours de sang-froid niveau normal. Fifou et Squeezie PNL. Mais regardez, j'ai des effets. Quoi? Pourquoi que j'ai deux cœurs? Mais pourquoi ils ont des... Ah, ils ont eu un seul cœur. Ah, ils sont nuls. Squeezie nous en met plein la vue avec boule armure. C'était incroyable ce que j'ai fait. Trop lent! Mais ta mère est trop lente! Quel show, mes amis, quel succès! Les participants vont recevoir des points de réussite. Alors, si j'ai pas le maximum, franchement... Quoi? C'est nul! Mais d'où? Ah, le style, j'avais zéro! Attends, mais on va pouvoir faire on va pouvoir prêcher. Mes frères! Voilà, tout ce que j'ai à dire. Bonjour, Boscara, je voudrais vous interviewer. Oui, bonjour, hein, écoutez, voilà, la dernière fois, j'avais pas trop eu le temps de parler. Oui, alors, il paraît que vous êtes le pire Pokémon de la Voie Lactée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, écoutez, je commence à en avoir marre de cette campagne de délivrement que vous... Regardez comme il est beau, c'est Squeezie! Vous le reconnaissez pas, il a la même tête. Faut qu'on le fasse évoluer avec quelqu'un, du coup. Mais je peux faire un échange avec Sunday? Parce que Sunday a pris Perle. On va pouvoir faire le Pokédex ensemble. Bon! Oh, j'aime tellement ce Poké. Vous créez du bonheur, moi. Oh, il est trop pichou! Si un jour j'ai un enfant, 100%, je lui achèterai un Kigurumi Pokémon. Les bébés avec des Kigurumi Pokémon, est-ce qu'il y a quelque chose de plus mignon sur Terre, quoi? Si on arrive à faire un Nuzlocke sans mort, c'est aussi stylé qu'un Nuzlocke où il y a plein de morts, tu vois ce que je veux dire? Je vais essayer. Mais non, mais ça... Non, mais alors ça, par contre, c'est... Mais c'est honteux! Vous avez vu le A avec l'accent? Non, mais là... Non, mais c'est quoi? Non, mais c'est quoi, ça? Mais ça, c'est scandaleux... Mais attends, mais c'est scandaleux, ça! Ils peuvent pas faire ça! Ça, je valide pas. Non, ça, je suis désolé, mais c'est un jeu que tu vends à 45 euros ou 60 euros. On dirait un truc dans un fan game, quoi. Attention! Oh! Est-ce qu'il vient de me faire un énorme marteau-bois dans la gueule, ce truc? C'était bien marteau-bois? Oui. Mais calme-toi, il a l'âme de Rock et marteau-bois. Il est niveau 19. Mais il a tout. Mais c'est quoi ce coverage de simulacre de l'enfer? C'est une zone, ça. C'est une zone, par contre, ça, je crois. Ça, c'est une zone. Manafi a encore l'humique. Mais j'ai combien de putains de racailloux? C'est les Ernestines. José Mouloud veut que vous le caressiez. T'imagines si je l'avais appelé genre bite en quelque chose? Vraiment dégueulasse. Et le meilleur jeu Pokémon? Le meilleur jeu Pokémon? Pokémon Donjon Mystère. Et mesdames et messieurs, Napoléon! On a enfin un putain de Luxray dans la team! Incroyable! Réserve du coin mode. Oh! Oh, je refais mon look, ça y est! Sérieux, c'est quoi cette merde? Wouah! En vrai, le moins moche, c'est le Sweet Pikachu, hein, je trouve. Hein. Je suis allé faire du shopping, je n'oublie pas de remplir mon Pokédex. Est-ce que Aurore sert à quelque chose? Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Les labyrinthes, c'est de la merde. Les labyrinthes, c'est de la bouse. Vraiment, j'en ai marre des labyrinthes dans Pokémon. T'es vraiment pas relou comme arène, toi, c'est bien. Hein. Qui a eu cette idée de génie, quoi? Plus jamais, hein. Ok, let's go! Lucario gonflette! Le flash qui marche. Oh, coupe-moi la couille, putain. Mais oh, c'est trop chiant en vrai. Putain, sur un Pokémon qui se setup, c'est horrible ça. Non, 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 mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Première fois que je réfléchis à ce que je fais. Franchement, le Lucario. Franchement. Heureusement qu'on avait charme, hein, putain. Sans charme, j'ai été mort. Hein. Alors, vers champ. Ah bah, oh, putain, ils te mettent un énorme drapeau là où tu dois aller. Ici? Là? Oui! Oh, Hippodocus! Let's go! Je veux Hippodocus, s'il vous plaît. Mais! On en a marre de toi! Arrête d'être là! Arrête! Disparais! Voilà, sors de ma vie, tiens. Mais tu m'emmerdes! Ça doit être pour Poké Totem. Pokémon du Rive du Lac Courage. Mais tu me... J'ai jamais eu autant de racailloux de ma vie, quoi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est mon 9e Pokémon de zone, racailloux! J'en peux plus, quoi! José Mouloud n'a pas l'air très sûr de lui. Ça, c'est chiant, ça. C'est quoi? Vous savez à quoi c'est dû, ça? C'est quoi? C'est le bonheur? C'est le... Oui, oui, oui. Mais j'ai tué! Mais parce que j'étais pas concentré! C'était un Pokémon de zone! Et c'était pas racailloux! Petit passier.
Alors la zone. Oh, mais t'es sérieux? Allez, zone 3, au hasard. Je sais pas ce que c'est, hein. Ah, en vrai, Roselia, Xavier Frigo. Ouais, ouais, non mais ouais, les pseudos sont vraiment originales, quoi. Je m'appelle Xavier Frigo, tu m'as offensé. Ah merde, putain mec, je suis désolé. Je suis vraiment complètement débile. Mais non, mais c'était en bas, mais réfléchis, espèce d'abruti. Putain, mais je suis tellement mauvais dans ces trucs. Allez, au revoir. Le pauvre. Meilleure décision de ma vie, hein, ça. Dommage, j'aurais voulu continuer à me battre encore et encore. Donne-moi ébullition. Non. Saumur. Oh. C'est Confined. En vrai, ça peut être tellement fort, ce truc. Tu lui apprends toxique à ce truc, tu vas faire la ligue avec. Oh, oh, toxique. Oh, putain, plus personne n'apprend toxique. Ça y est, ils ont nerf toxique, les mecs. Les fans de PDM peuvent apprendre toxique. Allez, la bulle d'eau sous la reine, là. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Oh, non. Je suis amoureux, j'évite l'attaque, oh non. Oh mais déjà que le jeu était facile. Est-ce qu'on peut désactiver ce truc? Il m'aime trop. Mon starter m'aime trop. Mes amis, la pire évolution intermédiaire de l'histoire de Pokémon Primplouf va laisser le pas au Pokémon évolué le plus stylé de l'histoire de Pokémon. J'ai nommé... Oh mon dieu, Pingoléon! Oh là là, et regardez les attaques que j'ai en plus. Le petit laser glace là. Tu vois pas que je pêche? Tu vas effrayer mes futures prises. Écoute, j'avoue que t'es Magikarp là. Putain, avec sa gueule lui, il est vrai, il fait trop peur. Hein. Tu en as un joli lapin? Oh le Pingo! Il est tellement stylé. Ah mais on est revenu à Nuniopolis, d'accord. Attends, mais là je dois aller où concrètement? Ah! Mais attends, mais je dois faire des trucs à Verchamp encore! J'ai fait la route pour rien! Ah mais c'est méga prout. Ton équipe s'améliore. Oui d'accord. Mais j'étais pas prêt. Mais attends. Non mais attends, il a vraiment encore un étourmi. Mais mec, t'as un étourmi niveau 26. Mais qu'est-ce que tu branles de ta vie? Mais fais évoluer ton équipe, espèce de débile. Tes Pokémon sont hyper bien entraînés. Are you serious? Si vous pouviez convaincre une fois pour toutes tous les gens qui disent que vous êtes le pire starter de tous les temps, que diriez-vous? Eh bien écoutez, c'est très simple. Moi Boscara, je suis vraiment une personne normale. Oh non. Oui, je vais pouvoir parler. Je vais pouvoir parler. Enfin, moi, Boscara, je m'exprime. Depuis le début, ce que j'essayais de vous dire, c'était quoi? Il essayait, mais ça l'excitait trop, et du coup, il a abandonné. D'accord, Amétrus, tu me lèches pas le choix. Tu me lèches pas le choix. Quand vous seriez tous majeurs dans le chat, on pourrait mettre les sprites. Or, je crois que j'ai 56 ans. Ah, attends, tout le monde est majeur en fait. 21, 19, 18, 28, 77 ans, 2495 ans, 46, 20, 27, 75, 34. Aucun mineur. Étonnant, non? Vous vous êtes content là? Vous me déprimez. Pour la peine, je vais boire mon alcool là. Est-ce qu'on a un rose bouton qui est en train de caresser le cul du Grolem là? Regardez ce rose bouton ce qu'il fait! Avec un ost en fer qui claque les fesses du Grolem. Mais c'est trop marrant! Ok. Quel enfer! Allez, c'est parti! Rémi le ninja amateur. Rémi sans amis! Non, c'est quoi? C'est pas Rémi sans amis, c'est Rémi sans famille. Je suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle. Les mecs sont déprimés dans le chat. Ok, ceux-là ils suivent mon doigt, donc ils m'aiment. Mais Rose Bouton m'aime pas. Mais quel bâtard. Bon, c'est où le masseur? Oui, masse-le. Vas-y, kiffe, kiffe. Allez, on se détend. Vous pensez qu'il m'aime là? Je t'aime pas toi. Mais putain, comment faire pour qu'un Pokémon vous aime? Il faut que je lui donne des médocs. Quoi? Il veut se barrer de la Pokémon. Non mais il m'aime pas, hein. Clairement il y a un problème entre Rose Bouton et moi. Non, il faut qu'ils arrêtent de se déplacer comme ça, je veux dire. Oh non! On dirait qu'un combat futile a eu lieu ici. Avec la musique. Tout le monde devrait prendre du recul et voir les choses sous autre angle. Mon nom est Elio. Ça, dans mon équipe, moi vivant, jamais j'aurai Eoko dans mon équipe. Hop là, dans la boîte PC, à jamais, voilà. Allez, je vous fais des méga bisous, du coup. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Mais tu savais pas que j'avais un gros derrière. Oh, Anissa. Et moi je m'appelle, ouais, moi je connais, hein, je connais les bails, hein, mais moi je suis, voilà.